bois. Présenté par Trunks et Thierry. Et salut à tous les amis. Je suis Trunks le panda en gros sur ton écran. Avec une grosse tête. Ce dézoomage de la mort, attends. En mode 4D. Oh. Je sors de ton écran. Et je suis toujours accompagné de Thierry Géant. C'est moi, toujours le Mexicain. Voilà, c'est ça. Des Mexipains. Et du coup, aujourd'hui, comme on vous l'a dit précédemment. Mais de l'action, des explosions, des morts, et des Twix. on va peut-être pas aller dans le Nether, je sais pas en fait si on va y aller. Si on a le temps de le générer, on ira. Mais si on n'a pas le temps, on fera juste... parce que là, vous voyez, je suis en train de descendre un escalier immense qu'on a creusé juste avant de tourner l'épisode parce que c'était un peu chiant à faire. Donc du coup, on s'est dit, on va pas le faire. Au cas où, s'il y a un gars qui fait 3 cubes c'est un mec qui est gros qui vient, tu vois, il pourra descendre quand même. Il sera bloqué en bas, mais il pourra descendre. En fait, c'est juste qu'on s'est dit que cet accès après servirait d'accès à notre mine, si on veut faire une mine optimisée, quoi, tout simplement. Il servira d'accès à la mine optimisée. Du coup, voilà pourquoi on a fait directement un escalier de 3 de large. Et on va descendre tout en bas et vous allez voir. Et je vais couper de la pierre avec mon épée. Et ouais. Pourquoi il y a ça, stock à reboucher ? Hein ? Oui. Pourquoi t'as rebouché ? Parce que. D'accord. Pour pas que les gens puissent voir ce qu'on allait découvrir, mais... Écoutez, voilà ce qu'il y a en bas. Il y a un mineshaft et c'est merveilleux. Ouh. Et on va explorer ça aujourd'hui ensemble. Et c'était pas du tout prévu. C'est ça qui est cool quand on fait des vidéos, c'est qu'il y a plein d'imprévus. Et les fils, ouais, j'allais dire, tu peux les couper avec ton épée, ça va vite. Et si t'as une cisaille, ça va encore plus vite, je crois. Ouais, j'ai les cisailles, ouais. Vas-y, essaye. Ah non, ça va pas plus vite. Pareil. Ok, alors exactement. Ça veut dire qu'il y a, il doit y avoir des araignées bleues pas loin. Alors, les araignées bleues, je déteste quoi. Tout ce qui est fer, or, on va récupérer tout ça. Nous sommes riches. Et on espère trouver de la lave, pourquoi pas un donjon, des coffres, tout ci, tout ça, la vie au grand air. Yukaida, l'amour comme on est dit. Dans le donjon quoi. L'amour est dans le donjon, oui. On va rencontrer des mineurs, tu sais. Des mineurs qui n'ont pas couché depuis des années. Quoi. Oh. Oh, un panda. Oh, t'es horrible. Faudrait que tu marques le PEGI 18 en bas à droite de l'écran. PEGI 18. On va hyper vite. Attention. Fast and Water, quoi. Nouveau film, tu sais. Il y a du fer, il y a plein de fer ici. Cool. Alors je me suis vite fait enchanter une pioche efficacité 1 avant de partir. J'aurais dû en enchanter une aussi. Mais bon. Mais quand... Ah ouais, c'est ça aussi, il faudra qu'on trouve du bambou pour se faire des livres et des meilleurs enchantes. Alors là, c'est un sac de cul. Donc on va repartir dans l'autre sens. Ça, c'est ma mère qui est tout le temps ça, un sac de cul. Les super expressions de my mom. Les micros, ça enregistre bien, t'as vérifié, c'est nickel, c'est la vie, tout ça, oui, ouais. Ça enregistre. C'est nickel. Ah, là, il y a une petite araignée. Ok, je sors mon épée. C'est une araignée bleue, noire. Bleu. Ah, je suis en train de péter le générateur, tu m'as poussé. Voilà. Ah! On va avoir notre vie. Mais non, c'est bon, t'inquiète, on va pas mourir. Merde, mais en fait, je suis en train de me faire violer et tu bouges pas, quoi. Je te regarde. Tu me laisses crever, quoi. Non, j'étais en train de me soigner, c'est pour ça. Pendant que je me bats. Attends, je peux ah non, ça c'est notre escalier, ok, on revient au début. Ah bon? Ouais, on a fait une petite boucle, là. Ah! Oh là, ça descend. Attends. Je vais voir ce qu'il y a en bas. Oh, il y a un autre étage du mineshaft. Descends pas, on ira après. Ok. Je récupère juste le fer, je vais faire un petit escalier. On va d'abord explorer le truc en haut et... Moi, je récupère de l'or qu'il y a juste à côté. On descendra après. Je vais mettre plein des torches pour indiquer que c'est là.
Voilà. Pour indiquer que c'est là que ça descend. Alors attends. Ah voilà, je savais qu'on n'était pas allé par là. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est aussi un cul-de-sac. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Faudrait qu'on essaye aussi d'utiliser les nouvelles pierres, la diorite, l'andésite et la je sais pas quoi bite. La bite. C'est dur, comme moi. Pour mon anus, j'ai choisi rock. Rock, promesse tenue. Allez, on descend. Durandal, si tu nous entends. Alors. Oh. Où es-tu? Ah, tu es là. Tu es redescendu. Aïe. Ouais, je suis descendu. Parce qu'il n'y a plus rien à voir à l'étage. Donc. Après, on n'est pas obligé de récolter toutes les ressources. On pourra, nous, revenir en avance rapide. Récolter le gros des ressources, quoi. Aïe. Enfin, moi, je vais pas tout récolter, quoi. Je pense qu'on va redescendre plus tard. Et... Oh, il y a de l'araignée. De l'araignée bleue ? Non, ouais. Noir. Ah, dommage. Pourquoi ? Je crois que t'aimais pas la bleue. C'est un challenge. Ah, un creeper. Bah, il est bien baisé. Hein. Attends, je sais pas où t'es. Je te cherche. Ah, je te vois. J'essaye de voir si je trouve un donjon ou quelque chose, quoi, un truc rigolo. Effectivement, ce serait sympa. Mais bon, il faut avoir de la chance pour ça. Beaucoup de chance. Alors. Si tu veux, tu peux récupérer le fer, hein, je continue. Ah, ah. Je me suis pris en pleine tronche, quoi. Mode mongolo, quoi. Ah. Je vais prendre ma pioche en diam, ça ira plus vite. Je vous hais, creeper. Commence à en avoir pas mal du fer, non? Alors, j'en ai 42. Dès que j'ai un stack, je m'arrête. Non, moi, j'en ai 15. Ça commence bon, à faire pas mal. Après, je pense que si on cherche de la lave, faudra creuser bien plus bas, je pense. Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. On est à la couche. Oh, pas trop. Hein. Pas beaucoup plus bas. On est à 20 blocs au-dessus de la bedrock, là. Donc en fait, là, on n'est pas très très loin des couches de lave. Hein. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir ici, quoi. Encore plein de fer ici. Yep. Je remonte à l'escalier là. Ouais. Je te suis, t'inquiète. Ah là, il y a un couloir qu'on n'a pas fait. Uh-huh. Je crois qu'on commence à manquer un peu de charbon aussi. Il faudra en récupérer. Effectivement, ce serait pas. Ah. J'entends des zombies. Ah, j'ai trouvé une suite de la caverne. Ah, il y a des laves. Oh. Super. Oh. Attends. Au pire, on retournera. Je tue les zombies, j'arrive. Explorer l'endroit plus tard. Alors attends. Je vais mettre mon eau dans un trou. Yes, bon, il y a un seau de lave. Hein. Deux, il y en a un. Mais ça suffit. Enfin, pour moi, ça me suffit. Je suis en bas d'un escalier. Je suis pas loin de toi, en fait. Je pense savoir. Là. Ouais, voilà. Là-bas, on n'y est pas allé encore. Non. Enfin, on l'a pas encore exploré. Bah après, sûrement qu'on reviendra. On va peut-être pas tout faire. Tu préfères quoi ? Qu'on génère d'abord le Nether ou qu'on finisse ici ? Oh, un coffre. Avec du diamant. Ah ouais ? Ouais. Il y avait combien de diamants ? De la graine de pastèque. Deux. Oh, de la graine de pastèque. Ça, c'est bien aussi. Du lingot de fer, une selle et un lingot d'or. Génial. C'est bon, ça. Oui. Bah écoute, on continue de bien explorer ici et on ira peut-être dans le laser. On peut descendre en... Ouais. Oh, de l'émeraude. Au cas où, si on croise des... Des villageois. Ouais. Où tu veux croiser des villageois?
Je sais pas. Ici, on n'en croisera pas. Hein. On peut en croiser à la surface, mais pas... Oui, où ça descend raide. Oh, je crois qu'il y a une crevasse. Ouais, il y a une crevasse, il y a de la lave, de l'or. Cool, cool, cool. Mais ça descend bien bas, quoi. Ça descend bien bas. Alors, attends. Là, on n'est pas allé... Et de finir d'explorer le mineshaft. Ça serait plutôt cool. Bah ça va, on a découvert pas mal de choses. Là, on est ouais. qu'à 10 minutes, même pas d'épisode, je pense. On assure trop. Oh yeah. Mode Maître Grims. Oh yeah. On dirait un peu le mode Elvis, mais si, c'est pas mal. Hein. Merci beaucoup. T'as jamais vu la vidéo du Palmacho avec Maître Grims ? Non. En fait, ils font une parodie de Maître Grims et il le fait assez bien, tu vois. J'avais compris. Guisé en black et tout. Yeah ! Oh putain. J'ai pris des risques parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de cœur. Attends. Je vais bouffer du poulet. Ah, il y a de la lave. Oh, il y a une sorcière, attends. Ah ! Mais t'es con ! Bah désolé, tu t'es mis devant au moment où j'ai tiré. Elle a pris un bain de santé. Ouais. Oh, il y a de l'or derrière toi, au-dessus de la lave. Bon, tant pis. Oh, du diamant là-bas. Diamant ? Oh. Où ça ? Attends. Où ça, du diamant ? Déjà, pose ton seau d'eau ici. Sur la lave ? Ouais. Non, pas exactement sur la lave, en fait. À côté de la lave. Voilà. Récupère-le, récupère-le, récupère-le. Moi, j'ai pas de seau d'eau, j'ai un seau de lave, en fait. D'accord. De l'obsidienne. Et je fais un trou. Alors, attends. Je récupère le diams. Ouais, moi, je récupère le... La redstone. Oh, il y en a pas mal en plus. Je crois. C'est bon ça. Eh, on est gâtés, franchement. 8 diamants. Avec mes deux que j'ai récupérés dans le coffre, ça fait 10 diamants. Yeah! Oh! C'est bon! C'est bon! C'est beau, la vie! Je vais pas me suicider maintenant. On va récupérer l'opsy après. Je vais pas me faire chier du coup à faire un générateur. Moi je récupère du charbon un petit peu. Je garde quand même ma lave au cas où j'ai besoin de faire un générateur obsidienne et que j'ai pas envie de redescendre. Mais je vais réculter. Et oui, j'aime bien réculter les choses. Je vais récolter l'obsidienne ici. Les amis, on se fait une petite avance rapide. On se retrouve quand j'ai suffisamment d'obsidienne pour le portail. À tout de suite. À de suite. Heureux les gens. Alors vous voyez, j'ai 16 obsidiennes, 8 diamants, donc on va remonter à la surface tranquillou, hein, okay. Sans se faire de bobo. Tomber de la redstone ici. Ah bon, peut-être parce que j'avais plus de place à un moment, mais bon, j'avais fait de la place derrière moi, donc c'est bon. Ouais. J'arrive. Attends, je regarde ce qu'il y a par là, t'es allé par là ? Ah oui. Je pense que oui. Mais il n'y a rien. Il y a de l'émeraude là encore. Je vais le récupérer. Voilà. Et là-bas, il y avait de l'or et je vais le récupérer aussi. Parce que quand même... L'or, on va en avoir besoin par la suite. Effectivement. Je pense qu'on ira dans le nether que dans l'épisode prochain, du coup. Mais ce sera un full nether. Mais ce sera un full nether. Et effectivement, ce sera du full nether. Là, on va remonter à la surface. Excusez-moi, on va remonter à la surface. T'as un pendant dans la gorge ? Ouais, j'ai un bambou dans la gorge. On va remonter à la surface. On va sûrement d'ailleurs remonter en escalier. Une fois qu'on est à la surface, on va rentrer à la maison et peut-être faire le portail. Tu peux mettre les torches derrière moi, comme ça sera plus simple. Ouais. Et
Et une fois qu'on sera à la maison, qu'on aura le portail, il faudrait peut-être qu'on aille chercher du bambou pour se faire des livres pour la table d'enchant, parce que ouais. On va manquer de livres. Il faudra reproduire les vaches aussi. Est-ce qu'il faut du cuir? Je vais mettre en mode Barry White. Pourquoi? Pourquoi Barry? Pour les faire se reproduire. Ah, mon Dieu. Bon, allez, à tout de suite. Barry White mexicain, quoi. Après cette mauvaise blague, à tout de suite. les amis, on se retrouve, on est sorti de la la caverne en escalier. Tranquillou, on a la moitié des moutons qui se barrent. Va falloir les retondre un coup, ça serait pas mal. Je m'en occupe, chef. Moi, je vais tuer cette moumou qu'il y a là-bas. En fait, tous les animaux qui s'enfuient de l'enclos, on les bute, voilà, sans aucune distinction. Ah, et il y a du blé qui a poupoussé. Ouais, on va pouvoir les faire se reproduire. Du coup, attends. Plus de moutons et plus de laine. C'est ça. Alors, attends. Déjà, je vais les cisailler. C'est dégueulasse. Je les cisaille carrément, quoi. Ouais. Qu'est pas ça? J'ai plus de cisaille. Ce sont des choses qui arrivent, mon petit. Bon. Je trouvais pas. J'ai eu peur. Non, vous barrez pas les moumous là. Voilà. Je vais m'occuper du champ, écoute. Et juste après, je m'occuperai de faire le portail du Nether. Yeah. Bon, je m'occupe du champ et je te ramène le blé pour que tu puisses reproduire les petites bébêtes. Ok. On fait ça tranquillou, petit fermier du dimanche. Alors. Par contre, j'ai pas la binette, je vais pas pouvoir l'agrandir tout de suite. Mais bon, il est déjà pas mal grand là. Walou, j'arrive. J'ai 35 blés. Cool. Je suis là. Tiens, je te donne tout le blé. File-moi ton blé. File-moi ton blé, ouais. Vas-y, vas-y, ouais. Wesh. Tac. Je vais reprendre la binette et je vais replanter le reste. La dinette ? Binette. La dinette. Le mec prend une tasse de thé et tout, puis il met des graines. Allez, tonight is right for love. T'es toujours Barry White, c'est ça? Voilà, c'est chef dans South Park. Barry White, ce serait plus. Oh yes, baby. Whatever. Putain, j'ai un Je sais pas pourquoi il y a un squelette qui. Tu me refais Barry White quand tu veux. Les squelettes, c'est des vicieux parce que t'avais un squelette qui m'observait en train d'accoupler les moutons, tu sais. Ouais. Genre, il s'est stické le manche. Bon, il s'est stické l'os. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Sortez de mon champ, bande de vicieux, va. Bon, j'ai pas encore accouplé tout le monde. Je le fous, le portail du Nether. Je le fous pas à côté de la maison, je le fous là-bas dans la forêt, là. Non. Tu le fais où tu veux. D'accord. Où je veux. Ok. Ouais. Je vais trouver un endroit cool alors. Si je le fais où je veux. Oh, stay alive. Ah, mais oh, meurs toi. Vous m'aimez les moutons. Oh. J'aurais bien aimé le faire genre là sur cette plateforme qui vole, mais le problème c'est que. Sans faire exprès, je fais même accoupler les vaches quoi. Je suis un vrai cupidon quoi. Je passe à côté, tout le monde. Mais faut aussi accoupler les vaches. Hein. Parce qu'on aura besoin de cuir après. Oh, trop d'amour autour de moi. Faut aussi que les vaches elles s'accouplent. Oh putain, oh là là. Oh, vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Ça y est, j'ai plus de blé, tout le monde se casse. Et genre, oh putain, fais chier.
Ils ont pas tous eu à manger. Bon, je vais en reprofiter pour cisailler tout le monde. C'est marrant d'ici. En mode charcuterie. Oh, il y a Danny Briand. Pourquoi Danny Briand? Parce qu'il est brillant. Oh mon dieu. Oh putain, j'ai entendu un bruit de creeper. Ah, ça marche aussi avec Julien Doré, la blague. hop. Voilà. Hop. Le portail du Nether. Cool. Est ready. Je vais finir de récupérer ma laine. Non, je n'ai pas de blé. Non. Rien. Je n'ai pas de blé. Non, je n'ai pas de blé. Qu'est-ce qu'on fait? On génère le Nether ou on le génère la prochaine fois? De toute façon, générer le Nether, c'est pas très compliqué. Hein, ça prend... Non, non, mais c'est juste pour le suspense. Inaugurer, tu veux dire? Le suspense, quoi. Ouais, bah au pire, on le fait au prochain épisode. Ok, on fait ça au prochain épisode, alors. Et là, je vois les viewers faire « Oh !» Oh. Soyez patients, chers amis, vous le verrez bientôt. Tac. J'en mets un max de charbon dans les fours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire cuire? Là, il y a encore de la viande. Là, il y a du fer. C'est bon. J'arrive. Avec une flèche dans la tête. Ce sont des choses qui arrivent, mon ami. Imagine le pauvre mec qui rentre chez lui, tu sais. Oh, mais chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai une flèche dans la tête. Voilà. Fais chier. J'étais un employé comme vous, mais je me suis pris une flèche dans la tête. Alors. Pauvre Danny Briand. Pauvre Danny Briand. Quand je vois tes yeux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Bon allez, on va se laisser là peut-être. Ouais. Et comme sinon, ça, on va perdre. Comme ça, dans le prochain, là, on tourne direct le prochain. Oui. Et puis on va dans le Nether, on prend notre équipement, en espérant Nether. Qu'on trouve assez rapidement un donjon. Nether, be the same again. Et ça serait cool qu'on trouve un donjon, franchement. Ouais. Bah de toute façon, en tous les cas, Nether, ça va mettre encore plus d'action, donc ça va être cool. Ouais, bon allez, à la prochaine les amis, c'était Trunks le Panda et Thierry Géant. Craft épisode 6. Yeah. Allez, à la prochaine les amis. Ciao, ciao.